Donc maintenant, je vais présenter le conférencier, mais qui n'a peut-être pas besoin de le présenter, vu qu'il fait ça très bien tout seul. Là, il est en train de tout faire, il diffuse en même temps. Bon, Gilles, tu es là ? Oui, oui, je suis là. J'attendais que tu aies fini de dire des mots. Bon. Je voudrais dire quand même un petit mot. En complément des remerciements qui ont été faits à l'association et bon, à tous les groupes qui participent et aussi à l'association. On est ici, on a en support des gens d'Animat, Fabrice qui est là par exemple, et Guillaume qu'on n'a pas encore vu. Et d'autre part, on voudrait remercier les universités qui nous hébergent, à savoir l'Université Paris 13, pour le Big Blue Button et aussi Orsay. Voilà. Donc, je ne sais pas si je me suis trompé de salle. Je ne vois pas Gilles que je voudrais présenter, mais je ne peux pas présenter quelqu'un qui n'est pas là. Je ne peux pas me montrer en même temps. Ma caméra est déjà prévue pour la conf. Bon, on va attendre deux secondes. Gilles, peux-tu prendre la parole ? Oui, je peux prendre la parole, mais je peux pas m'afficher ma caméra dans Big Blue Button parce que je l'ai déjà configurée pour la conf, en fait. Ah, d'accord, ok. Bon, ben écoute, on verra après. Tant pis. Donc, Gilles est maître de conférence, un enseignant-chercheur à l'Université de La Rochelle. C'est un pilier de Matanjins. Il a déjà organisé deux congrès à La Rochelle. En même temps, il anime beaucoup de groupes, dont certains très très loin, jusqu'à San Francisco. Et il est aussi un conférencier assez bon, que vous pouvez voir sur une chaîne qu'il a créée, qui s'appelle MatAdulte. Alors là, ça va sans doute être aussi pour les moins adultes, pour les petits, pour les moyens et pour les grands. Mais on peut lui faire confiance pour nous faire un exposé tout à fait intéressant, brillant et accessible. Voilà. Donc, Gilles va nous parler de l'hydre de Kirby. Ben, je lui laisse le soin de dévoiler le sujet. Et je vous retrouve tout à l'heure à la fin de sa conférence pour les questions que vous ne manquerez pas de poser sur le chat. À tout à l'heure. Voilà, ben écoutez, bonjour, bonjour. Donc voilà, c'est donc moi, vous voyez ma tête maintenant. Je coupe le son de Big Blue Button, voilà, au cas où. Hop, et voilà. Donc voilà, va pas trop vite toi. Ok, donc voilà, bonjour, bonjour. Oui, donc je m'occupais un peu de la technique, donc je suis désolé. Les petits problèmes techniques, bah, c'est des trucs qui sont apparus aujourd'hui, alors que dans les essais, ça ne s'était pas produit comme ça, donc voilà, c'est notre premier congrès, donc on débute, j'espère que ça se passera mieux les prochaines sessions. Enfin, c'est sûr que oui, puisqu'on va s'améliorer. Donc voilà, je remercie François pour tous les compliments sympathiques qu'il a dit. J'essaie d'être à la hauteur de ce que je vais vous raconter. Donc voilà, donc c'est un exposé qui m'a été inspiré par une vidéo d'une chaîne d'un jeune homme qui s'appelle L.I.J., c'est E-L-I-J, qui est un vulgarisateur de maths vraiment brillant, donc j'incite fortement à aller regarder son travail, c'est vraiment super. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très marrant, donc je l'ai mis un peu à ma sauce, j'ai rajouté des trucs, mais je vais vous raconter cette histoire-là, parce que j'ai trouvé que ça permettait de réfléchir un peu sur le sens des mathématiques, et voilà. Alors, allez, commençons tout de suite. Donc, vous pouvez poser des questions dans le chat, j'essaierai de jeter un petit coup d'œil en même temps, hein. Mais voilà, n'hésitez pas. Ok, alors, première notion, les nombres entiers. Donc, tout le monde sait ce que c'est que des nombres entiers, normalement. Quoique, c'est une question difficile, hein. J'ai déjà fait un exposé pour ceux qui l'ont vu d'une heure, une heure et demie, pour déterminer vraiment ce que c'était. Mais enfin bon, là, on va pas revenir dessus. On va imaginer que c'est 1, 2, 3, 4, 5, me dire, ok, bah, tout le monde sait ça. Sauf que pour les Anglais, c'est 1, 2, 3, 4, 5, vous avez appris. Ok, bon, on peut encore s'y repérer pas trop, trop difficilement. Pour nos amis arabes, déjà c'est plus compliqué parce que là on a Warid, Efnen, Talata, Arba et Ramsa, et puis alors l'écriture en lettres est une catastrophe, enfin pour les gens qui ne sont pas habitués à cette écriture bien évidemment.
Voilà, nos amis chinois, donc c'est Yi, Ar, San, She et Hu. Voilà, c'est la même chose, hein, mais vous voyez, c'est des symboles vraiment très différents, des prononciations très différentes. Voilà, pour nos amis romains, qui notaient donc d'une façon, vous savez, très très différente de nous, les chiffres, hein, parce que les chiffres avec les chiffres romains, où c'est pas du tout la même numération c'est la numération de position comme la nôtre, hein, c'est... On appelle ça une numération additive, vous savez, pour mettre 20, bon, on met 10 et 10, hein. Et puis on fait 30, on met 10, 10 et 10, vous voyez, comme là, quand j'ai fait 3, bah, j'ai mis le symbole de 1, 1 et 1, quoi. Donc il y a d'autres façons, vous voyez, de montrer les numéros, c'est les Babyloniens, vous voyez, mettaient des petits chevrons, comme ça, là, donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin, 2, 3, 4, 5, toujours, avec des représentations symboliques, hein, et puis ils avaient d'autres symboles pour les multiples de 60, etc., mais enfin, bon, je vais pas trop rentrer là-dedans. Les ordinateurs notent les nombres entiers de cette façon-là, vous le savez bien, avec dans les transistors, du courant qui passe ou qui passe pas. Donc, en fait, les nombres entiers, c'est tout ça. Ah, il n'y a pas une version qui est meilleure que les autres. Toutes ces versions représentent les nombres entiers. Et donc, on pourrait se dire, alors qu'est-ce qu'il y a de commun à tout ça? Qu'est-ce qui fait qu'on regarde un ensemble mathématique? Est-ce que c'est pareil que les nombres entiers ou pas? Quelles sont les règles minimales qui permettent de savoir, voilà, de définir en fait dans toutes les langues et même éventuellement avec une civilisation extraterrestre qu'on ne connaît pas, eh bien, si elle a les moyens de rentrer en contact avec nous, c'est qu'elle a une civilisation avancée et donc c'est qu'elle a fait des maths et qu'elle a le concept des nombres entiers. Mais qu'est-ce qu'il y aurait de commun, voyez, avec nous? Et voilà, donc au début du XXe siècle, des mathématiciens se sont attachés à essayer de résoudre ce problème. De savoir ce que c'était, comment faire pour voilà pour ça. Donc alors attendez, parce que je crois qu'il y a des notifications là qu'il faut que je hop, coupe, voilà, comme ça il n'y aura plus de bruit parasite. Ok, alors allons-y. Monsieur Peano, donc au fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, je ne sais plus la date exactement, a essayé de donner toutes les règles qui permettaient de construire les nombres entiers, voilà, quelle que soit notre langue, etc. Dire quelles sont les règles pour avoir l'ensemble des nombres. Vous allez voir pourquoi je vous apprends ça après. Hein. Il a dit, bah déjà, et voilà, il faut que donc l'ensemble des entiers naturels, c'est un ensemble qui vérifie ses règles suivantes. Il existe un entier naturel qu'on appelle zéro. Okay. Donc voilà, bon, ça vous dire ok, pourquoi pas. Donc il faut que quelque part il y ait un zéro. Tout entier naturel n possède un successeur noté s de n. Okay. Donc à chaque fois que j'ai un entier, il y a un entier d'après, j'appelle s de n. Ok? Aucun entier naturel n'a zéro pour successeur. Donc en gros, il n'y a personne avant zéro. Hein, zéro, c'est le premier, là, avec voilà, d'après cette définition. Ok. Deux entiers qui ont le même successeur, bah, c'est les mêmes. D'accord? Donc ça, c'est un peu logique. Vous voyez, c'est deux entiers. Le nombre d'après, c'est le même, bah, c'est que c'était déjà les mêmes au début. Et si un ensemble d'entiers naturels, il contient zéro et il contient donc le successeur de chacun de ces éléments. Alors cet ensemble, c'est n tout entier. Hein, c'est le principe de récurrence pour ceux qui connaissent ce mot. Mais c'est-à-dire que si j'ai 0, j'ai le successeur de 0, le successeur du successeur de 0, le successeur de ça, alors j'ai tous les entiers. Ok? Alors ça a l'air complètement évident. Hein, j'espère en tout cas que ces règles-là, vous dites, bah oui, après tout, pourquoi pas. Mais maintenant, essayons de faire un peu le gare au tort. C'est-à-dire, est-ce qu'avec ces règles-là, je pourrais pas essayer de faire autre chose? Vous voyez, hein, c'est toujours un test, quand quelqu'un propose quelque chose, une définition, de voir est-ce qu'il s'est pas planté, quoi. Donc par exemple, reprenons du début et essayons de voir, moi j'ai trouvé ça assez rigolo de faire ça, est-ce que je pourrais pas inventer quelque chose qui vérifie ces règles et qui soit différent? Donc imaginons, hop, je repars de là, tout entier naturel n possède un successeur noté s de n. Tiens, bah, pour rigoler, je vais dire que le successeur de 0, c'est 0. Pourquoi pas? C'est pas marqué que c'est interdit, et donc le successeur de 0, c'est encore 0, tout ça, donc voilà, finalement j'ai un seul élément, 0, successeur 0. Ça passe hein, avec ces règles-là. Pas de bol. Ah, aucun entier naturel n'a zéro pour successeur. Donc j'ai pas le droit de faire ça. Je lui dis, bah, je vais faire le hey, je vais juste faire 0, 1, et puis le successeur de 1, c'est 1. Ça, c'est autorisé. 1, hein. Il a le droit d'être le successeur de lui-même. C'est pas interdit. Donc je pourrais dire, voilà, je peux faire que deux nombres. 0, 1, le successeur de 0, c'est 1, le successeur de 1, c'est 1, le successeur de 1, c'est 1, le successeur de 1, c'est 1. Avec ces règles-là. Mais là, justement. Cette règle-là me dit que ça ne marche pas. Ben parce que si 0 et 1 dans mon exemple précédent avaient le même successeur qui était 1, ah ben c'est que c'est les mêmes. Et 0 n'était pas égal à 1, parce que voilà, donc du coup,
J'ai pas le droit de faire ça. Vous voyez, du coup, si je fais 0, le successeur, je l'appelle 1, le successeur de 1, bah, ça ne peut pas être 1, je l'appelle 2, mais le successeur de 2, bah, ça ne peut pas être 1, ça ne peut pas être 2, ça ne peut pas être 0, hein, parce que 0 n'est pas le successeur de quel que ce soit, parce que si jamais c'était 1 le successeur de 2, je vais revenir en arrière, ce n'est pas possible, parce que 1 est déjà le successeur de 0. D'accord? Et s'il y a deux entiers qui ont le même successeur, c'est que c'était les mêmes. Et donc, comme 2 n'est pas égal à 0, bah, ils ne peuvent pas tous les deux arriver sur 1. Et donc là, je vois, je suis obligé d'en créer un à chaque fois. À partir de cette règle-là, je vois que je suis obligé de créer autre chose à chaque itération. Mais du coup, si on veut toujours faire, essayer de trouver un truc un peu à l'envers, d'essayer de trouver un contre-exemple, dis bah tiens, si j'en prends plus, imaginez, allez, soyons fous, je prends tous les points du plan. Hop là, 0, c'est l'origine, pourquoi pas, et je dis que le successeur, bah, c'est le nombre, par exemple, si je me déplace d'une certaine direction, disons que je me déplace vers la droite de 1 mètre, là, dans mon plan, je dis que c'est ça le successeur d'un point. Ah bah alors ok, là, du coup, j'imagine, hein, tous les points du plan, c'est un entier naturel. Allez, il y a bien O, bah, c'est l'entier naturel O. Et puis je me déplace d'un mètre vers la droite, c'est le successeur. Alors ça, on voit que ça ne marche pas parce qu'il ne faut pas que O il ait un succès, il soit successeur de quelqu'un. Donc je suis obligé de prendre que la moitié du plan. Parce que sinon, en prenant moins 1, hop, j'obtiendrai 0. Alors, j'ai juste la moitié du plan. Et bah voilà, ça vérifie toutes ces règles, cette affaire-là. Hein, aucun entier, aucun point n'a 0 pour successeur. Si deux points ont le même successeur, bah c'est que c'est bien les mêmes au début. Je me suis dit qu'aller d'un mètre sur la gauche. Donc si j'arrive au même endroit, c'est que j'étais au même endroit au début. Donc voilà quoi, ça a l'air de marcher, alors que c'est pas du tout ce qu'on est à l'habitude de voir, mais pourtant ça vérifie toutes ces règles. Et donc c'est celle-là où cette règle-là devient essentielle. Parce que du coup, mon ensemble, tous les points là, bah, si je prends juste à partir de l'origine, son successeur et les successeurs de l'origine, juste ceux-là, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, ah bah je dois avoir tout le monde. Vous voyez? Si ça contient O et le successeur de O et le successeur de tous les successeurs de O, alors ça doit faire tout l'ensemble. Du coup, ça ne peut pas faire tout mon plan. Ok? Hein, les axiomes, les premières règles là me disent que bah, il faut que ce soit assez grand. Et là, celle-là me dit que ça ne doit pas être trop grand. Et donc finalement, quand j'ai tout ça, c'est forcément l'ensemble N qu'on connaît au début. Bon, alors n'ayez pas peur, hein, ça va devenir plus rigolo à la fin, là, je vous ai peut-être un peu fait peur. Et donc après, on a des règles pour définir l'addition, la multiplication. Donc je ne vais pas insister trop. Hein. N plus 0, c'est N. N fois 0, c'est 0. Et puis ensuite, comment on fait pour définir l'addition de deux nombres entiers? Ben, on dit voilà, N plus le successeur de P, c'est le successeur de N plus P. Ça, donc du coup, c'est défini par récurrence, mais j'insiste pas trop. On a des règles pour l'addition également. Ok, et la multiplication? On a aussi une règle qui dit que n fois le successeur de p, bah, si je connais n fois p, n fois le successeur de p, c'est n fois p plus n, et donc c'est défini comme ça au fur et à mesure la multiplication. Ok? Donc tout ce que je veux vous dire, c'est que voilà, en mathématiques, en fait, une théorie mathématique, c'est un ensemble de règles, d'accord, qu'on essaye d'exploiter. Et donc, quand on dit en mathématiques qu'un résultat il est vrai ou il est faux, qu'une équation a des solutions, ou qu'un triangle a telle propriété, etc. En fait, ce n'est pas vrai ou faux dans l'absolu. C'est vrai si c'est compatible avec la théorie mathématique dans laquelle on est. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une théorie mathématique? Ben, ça commence par être des règles de base. Et donc, ces règles de base, c'est ce qu'on appelle les axiomes. D'accord? C'est les petites briques du raisonnement. Et donc, en fait, ça, c'est forcément vrai par définition. Hein, quand je fais de la théorie de l'arithmétique, c'est que. Par exemple, si je fais la théorie arithmétique de Peano, c'est que je suppose que toutes les règles que je vous ai mises juste avant sont vraies. Ça ne se discute pas, c'est vrai. Et à partir de ça, je vais essayer de voir si des affirmations sont vraies ou fausses, c'est-à-dire si elles sont cohérentes avec les axiomes qui sont au début. Est-ce que je peux les déduire des axiomes, des règles de base que je donnais au début? Alors, je donnais des petits exemples. Déjà, alors un nombre premier, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un nombre de bonbons que je ne peux pas partager en 2, en 3 ou en 4 copains. Vous savez, si j'ai 17 bonbons par exemple, bah, je ne peux pas faire des paquets de 2, des paquets de 3 ou des paquets de 4 équitables et puis distribuer à tout le monde. Hein, une autre façon de le dire, c'est un nombre qui est dans aucune table de multiplication. Vous voyez? Donc comme 17, comme 19, comme 3, ouais, la seule façon de le faire, en fait, c'est 3 fois 1. Ou 17 fois 1. Donc un nombre ne peut pas faire autre chose pour l'obtenir comme résultat de multiplication que faire lui-même fois 1. On appelle ça un nombre premier. Eh bien, est-ce qu'il y a une infinité de nombres premiers, par exemple? Alors, je ne vais pas vous faire la preuve, mais il y a des mathématiciens qui ont réussi à montrer que oui, il en existait une infinité, des aussi grands qu'on veut, qui ne peuvent pas se couper. D'accord? Ensuite, une autre question, est-ce que les nombres premiers sont tous impairs? On pourrait se dire, bah, s'ils ne sont pas impairs, je peux couper en deux parties égales, parce qu'un nombre pair, on peut toujours le couper en deux parties égales. Et donc, on pourrait croire que c'est vrai, mais non, c'est faux, puisqu'il existe un nombre premier qui est pair, qui est 2. 2, c'est, si je veux le décomposer en multiplication, c'est 2 fois 1. Et c'est tout.
Mais alors c'est le seul, hein, je suis d'accord. Le seul nombre premier qui est pair, c'est 2. Mais du coup, cette phrase est fausse. Et puis, il y a des phrases relativement compréhensibles pour lesquelles on ne sait pas. Hein, il existe une infinité de nombres premiers jumeaux. Alors qu'est-ce que c'est que des nombres premiers jumeaux? C'est des nombres premiers. Non pas qui suivent, parce que ça, c'est pas possible. Parce que deux nombres qui suivent, il y en a forcément un qui est pair. D'accord? Alors il y a 2 et 3. Okay, deux nombres premiers qui suivent. Mais c'est les deux seuls. Donc c'est pas la peine de se demander si y en a une infinité. Non, il n'y en a qu'un couple qui suit. Mais par contre, est-ce qu'il y en a qui suivent à 2 d'écart? Et donc, on appelle ça des nombres premiers jumeaux, par exemple 17 et 19, d'accord, ou 11 et 13, ou 5 et 7. Est-ce qu'il y en a une infinité comme ça? Eh bien, ça, on ne sait pas. D'accord? On n'a pas trouvé de façon de savoir voilà, si c'était vrai ou si c'était faux. Okay? Et donc, les recherches mathématiques, en fait, quand on dit comme ça qu'on cherche à savoir si un énoncé est vrai ou faux, on cherche à savoir si on peut le déduire des vérités qu'on a définies de base. Okay? Alors. Le truc, c'est que est-ce que quand on se pose un problème, on peut toujours démontrer qu'il est vrai ou qu'il est faux? Eh bien, on dit que c'est indécidable si jamais on peut ni démontrer qu'il est vrai ni démontrer qu'il est faux. On dit si jamais ça existe, on appelle ça les problèmes indécidables. Et on sait depuis quelques années maintenant que voilà, c'est Kurt Gödel qui a démontré ça dans les années 1930, que dans toute théorie un peu complexe, ça veut dire qui contient au moins l'arithmétique, donc les règles que je vous ai données avant, il y a des propositions qu'on ne peut pas démontrer. Voilà. Donc déjà, c'est réglé. Dans toute théorie, on va forcément qu'il soit pas, enfin, voilà, qu'il soit un petit peu compliqué. Il y a forcément des propositions qu'on ne pourra pas savoir si elles sont justes ou si elles sont fausses. Ok? Toujours. Et en plus, par exemple, savoir si les axiomes qu'on a choisis sont cohérents entre eux, c'est-à-dire s'il n'y a pas moyen de démontrer quelque chose et son contraire, donc si notre théorie tient debout, ça fait partie des propositions indécidables. Une théorie elle-même peut pas montrer elle-même qu'elle est cohérente. Vous voyez? Donc c'est bon, bref, j'insiste pas trop là-dessus. Jusqu'à présent, ça ne me posait pas de problème philosophique. Je me disais, bah, après tout, bah, si un truc, et on sait pas, on peut, voilà, soit on arrive pas, si on arrive à prouver qu'on peut pas le démontrer, ça peut arriver. Hein. On va voir des exemples. Bah, du coup, on choisit que soit c'est vrai, soit c'est faux, puisque de toute façon, c'est pas contradictoire. Et puis on continue. On se dit, voilà, on va supposer par exemple que c'est vrai, puis on va continuer comme ça, ou que c'est faux, puis faire des maths comme ça. Et puis voilà. Où est le problème? Ben, le but de cet exposé, c'est un peu de montrer qu'il y a un problème plus subtil que ce que je croyais moi-même. Ok, allez, c'est fini pour la théorie compliquée. Hop, on va s'amuser un petit peu. Donc, le problème de l'hydre. Alors, je vais vous en parler. Donc, voilà, nous avons une hydre composée donc de coups, d'un corps, de coups et de têtes, voilà, qui sont, comme vous voyez, extrêmement féroces. Et. Il y a notre ami Hercule veut se débarrasser de cette hydre maléfique et le problème c'est quand on coupe une tête, elle se régénère d'une certaine façon. Donc par exemple, si je coupe la tête en bas là, eh bien ce qui va se passer c'est qu'une copie enfin là elle était reliée au corps directement donc il ne se passe rien, elle disparaît. Mais si jamais je coupe une tête qui était sur une branche, voilà comme qui était ici, alors hop, je vais jusqu'à l'embranchement précédent. Et il y a une copie de l'embranchement précédent qui va se faire au premier coup. Et là, comme c'est la deuxième tête que je coupe, il y a deux copies, hop, vous voyez, de ça qui apparaissent. Au troisième coup, il va y avoir trois copies, hein, d'accord, c'est ça la règle, qui vont apparaître de ce qui reste. Alors je vous donne un autre exemple. Si je coupe cette tête-là, bam, il y a trois copies de ce qu'il y avait à l'embranchement précédent, c'est-à-dire ici, qui apparaissent. Ok? Hein, donc je vais vous le refaire avec un petit graphe, ce sera plus simple pour comprendre qu'avec les têtes, même si là, ils sont très mignonnes. Hop, c'est voilà, c'est le principe suivant. Donc, une hydre, mathématiquement, on va représenter ça par un arbre avec une enraciné, on appelle ça, enfin bref. Donc, un arbre, c'est un ensemble de petits sommets, de petits ronds, là qu'on appelle les nœuds du graphe, et de petits segments qui les relient, d'accord, qui s'appellent voilà, les arêtes du graphe. Et donc, ceux qui sont en vert, c'est les têtes, ok, de l'hydre. Et voilà, les sommets ici, c'est les embranchements du cou de l'hydre. Et donc, il y a une racine, c'est le rose qui est là, c'est ce qu'on appelle la racine de l'arbre. OK? Et donc, la règle est la suivante. Quand je coupe une tête, quelque part, je fais disparaître un point vert où je veux. Donc, s'il est sur le corps, il ne se passe rien. S'il est sur ailleurs, donc là, je vais enlever celui-là, par exemple. Alors, je ne prends pas le nœud auquel il était relié, je prends le nœud précédent, plus bas, donc celui-là. Et tout ce sous-graphe-là va être dupliqué. Okay? Il va être voilà, recopié à l'identique, au même endroit, accroché au même endroit. Donc là, comme c'est le premier coup, il se recopie une fois. Et la règle, c'est que le nombre de fois qui se duplique est égal au numéro de la tête que je coupe. Donc là, imaginez, j'en coupe une deuxième ici.
Donc, ce petit morceau-là, qui reste jusque-là, va être dupliqué deux fois. Toc. Ensuite, pour rigoler, j'ai coupé ce petit morceau-là. Donc, ce petit bout-là qui reste ici va être copié trois fois. OK? Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petites têtes que je peux couper directement comme ça. Là, il ne va rien repousser. Donc, jusque-là, tout va bien. Hop, je les enlève. Voilà. Je dis, ah, bah du coup, j'ai l'impression que... Allez, finalement, ça va être plus facile de tuer l'hydre. Sauf que j'ai déjà fait 9 et je sais plus 4. J'ai dû faire 4 coupes, donc j'en suis à 13. Donc la 14e coupe, là, imaginez, j'enlève celui-là. Et bien du coup, ce petit truc-là, hop, va être repliqué 14 fois. Alors je l'ai décalé un petit peu pour pouvoir mettre les 14 morceaux. Je cloque. Voilà. Hein, petite diapo qui m'a pris l'intégralité d'une réunion qui était pénible. Ok, donc voilà, donc j'ai recopié à l'identique ce petite chose-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, 14 fois. Donc vous voyez qu'il peut y avoir beaucoup de têtes qui, en fait, qui surgissent. Hein. Donc pour rigoler, j'essaie un peu de continuer. Donc là, j'ai pris sur les 14, les 15 copies ou les 14 copies, j'en ai pris qu'une. Et j'ai regardé, donc qu'est-ce qui se passe quand j'enlève ça? Donc cette fois, bah, du coup, il va y avoir ce petit graphe qui va se reproduire 15 fois, d'accord? Parce que j'en suis à 15. Donc là, j'ai eu la flemme de dessiner. Oui, juste, et puis il y a tous les autres morceaux que j'ai pas encore touchés, quoi. Donc bref, j'ai vu qu'on pouvait venir à bout, j'ai fait un petit calcul. Combien de temps pour se débarrasser juste de ce morceau-là? Est-ce que c'est possible? Alors oui, en coupant des têtes, un peu comme ça, toutes les têtes du dessus, puis les autres, tout ça, j'ai calculé que je pouvais m'en débarrasser au bout de... 1736 milliards 719 519 millions 715 coups juste pour ce petit morceau-là. Hein. Donc après il y en a 14 qui sont pas du tout identiques parce que là je vous rappelle que j'ai recopié 15 fois seulement ce petit truc-là. Quand je vais m'attaquer à la deuxième branche et que je vais enfin la deuxième extrémité là enfin morceau qui reste quand je vais couper la première branche je vais faire 1 736 milliards de copies de ce qui reste. Hein, voyez donc ça grossit vraiment complètement délirante de façon complètement délirante. Ok? Donc voilà. Alors, donc on prend une idée n'importe comment au début. Voilà le problème. C'est imaginé. Problème, ma tangine. Vous avez compris les règles du jeu. En tout cas, je l'espère. Vous prenez une idée n'importe comment. Et la question, c'est est-ce qu'on peut en venir à bout? Est-ce qu'on peut réussir à couper toutes les têtes? D'accord? Parce que ça grossit quand même beaucoup. Donc est-ce qu'on peut. Voilà, est-ce qu'on est sûr qu'on va trouver une méthode qui permet de tuer l'hydre? Parce que peut-être que c'était pas malin de couper d'abord les têtes à la racine comme je l'ai fait tout à l'heure, vous voyez. J'aurais peut-être pu aller plus vite en coupant d'abord en haut, etc. Donc est-ce qu'on peut toujours y arriver? Et si oui, comment il faut faire? D'accord? Donc voilà. Donc ça c'est le problème ma tangine que je vais tenter de résoudre devant vous. Et je vais même vous donner tout de suite les solutions. Donc les réponses, hein, je vous les donne tout de suite. La réponse est oui, on peut tuer l'hydre. Ok, super, tant mieux, sinon bon, ça aurait été moins drôle. Et comment faire? Eh ben en coupant des têtes au hasard. Alors ça, c'est plus surprenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode... Alors, il y a peut-être des méthodes qui sont plus rapides que d'autres, mais si on se coupe des têtes n'importe comment, au bout d'un moment, l'hydre va mourir. OK? Et voilà. Et donc, je vais essayer de vous démontrer ce petit résultat-là. OK? J'espère que tout le monde a compris la question. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat, hein, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Hop, voilà. Comment j'ai... Est-ce que vous comprenez bien le problème? Ouais, on va dire que oui, mais n'hésitez pas dans le chat à intervenir hein, si vous voulez poser des questions ou quoi que ce soit, hein, n'hésitez pas. Ok. Alors, pour démontrer cette chose-là, on va être obligé d'utiliser des nombres que vous ne connaissez pas et que la plupart des mathématiciens ne connaissent pas non plus. D'accord? C'est pas, voilà, c'est des choses assez subtiles et pas très très difficiles, mais qu'on utilise rarement en mathématiques quand même. Alors évidemment, les spécialistes du domaine vont dire comment ça, c'est un scandale, mais bon. Voilà, moi je l'utilisais jamais par exemple. Donc bon, je suis pas représentatif peut-être, mais je connais pas. Enfin, à la fac de La Rochelle, personne les utilise en tout cas dans les chercheurs qu'il y a. Après, on n'a peut-être pas de chance, mais donc c'est pas un truc hyper connu, mais qui est très marrant, vous allez voir. Alors, pour introduire ces nombres, je vais commencer par imaginer ce que Hilbert a imaginé lui-même pour raisonner sur l'infini, un hôtel qui a une infinité de chambres. Et donc les chambres sont numérotées par tous les entiers naturels. Donc vous avez d'abord la chambre 0, la chambre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Comme ça, tous les... Voilà. Imaginez un hôtel comme ça, où il y a autant de chambres que d'entiers naturels. Alors, cet hôtel a des propriétés assez rigolotes, parce que imaginez qu'il soit plein, et que quelqu'un arrive, et dit, ah ben j'aimerais bien dormir.
Ah mais pas de bol, toutes les chambres sont déjà occupées. Eh ben c'est pas grave, on peut lui faire de la place. Il suffit de dire à celui qui est dans la chambre 0 d'aller dans la chambre 1, à celui qui est dans la chambre 1 d'aller dans la chambre 2, celui qui est dans la 2 d'aller dans la 3, ainsi de suite. On dit à tout le monde de se décaler d'un cran, et hop, la chambre 0 vient libre. Tout le monde aura sa chambre, parce qu'il y a toujours une chambre à côté de là où on dort. Tout le monde aura sa chambre, et il y aura une place pour notre ami. Ok? Bon, alors ça, ok. Ça, là où c'est plus marrant, c'est qu'imaginez maintenant, il y a deux hôtels de Liberte qui se font concurrence sur la plage, sur l'île d'Oléron. Donc le premier est plein, le deuxième est plein aussi. Pas de bol, épidémie de Covid-19 ou crise sanitaire quelconque, ou bref, il y a une raison pour laquelle le deuxième établissement est obligé de fermer ses portes. Et donc, il y a tous les clients du premier hôtel de Hilbert, là, qui est fermé, qui débarquent pour s'installer dans le deuxième. D'accord? Donc, il y a une infinité de personnes qui débarquent, hein, et il y en a autant que des nombres entiers, donc voilà, qui veulent rentrer dans les chambres. Eh bien, figurez-vous que c'est encore possible de leur faire de la place à tous ces mondes-là. Et donc c'est pour montrer que l'infini c'est grand quelque part, c'est que ben en fait deux fois l'infini, en tout cas l'infini des nombres entiers, deux fois l'infini, mais en fait c'est pas plus grand que l'infini. On peut loger tout ce monde-là. Alors comment on fait? Ben, l'astuce c'est de dire à celui qui est dans la chambre 0 d'y rester, celui de la chambre 1 d'aller dans la 2, celui de la 2 d'aller dans la 4, celui de la 3 d'aller dans la 6, autrement dit, je sais pas si vous comprenez, à chaque fois je dis, vous regardez votre numéro de chambre, vous allez dans la chambre qui porte le numéro qui porte le double. Ok? Donc, si vous êtes dans la 27, vous allez dans la 54, hein, d'accord? Si vous êtes dans la 68, vous allez dans la 136, bref, à chaque fois, vous allez dans la porte, la numéro de porte qui porte le numéro double de ce que vous aviez. Bon, bah, c'est toujours possible, quel que soit le numéro sur lequel on est, il y a bien un double. Donc, tout le monde va trouver une chambre pour lui, ok? Et puis, si on y réfléchit bien, bah, du coup, tous les numéros impairs vont être libérés. Parce qu'on va prendre la 2, la 4, la 6, la 8, la 10, la 12, etc. Mais tous les nombres impairs ne sont pas le double d'un nombre. Donc toutes les chambres impaires vont être disponibles. D'accord? On en a la moitié qui sont disponibles. À me dire, ah oui, mais c'est que la moitié. Oui, mais non, parce que, enfin, vous avez compris, hein, j'ai réussi à mettre tout le monde dans la moitié. Bah, du coup, il y a autant de nombres pairs que de nombres impairs. Hein, donc j'ai réussi à mettre tous ces gens-là juste dans les nombres impairs. Il n'y a pas de problème, il y aura tout le monde. Ok? Donc voilà, c'est juste pour hein, vous faire parler un petit peu de cet hôtel de Hilbert. Et donc on a des propriétés rigolotes, mais alors imaginez maintenant. Je suis un propriétaire d'un hôtel de Liberté et je suis un peu fou, puisque une fois qu'il est plein, je me dis, tiens, allez. Et si je faisais, donc ça c'était la méthode, voilà, un deuxième étage. Donc si vous avez bien compris ce que je vous expliquais avant, ça ne sert à rien de faire un deuxième étage. Il n'y a pas plus de place. Hein, ça c'est dur à comprendre. Il y a autant de chambres qu'avant. Enfin, non, il y en a deux fois plus, parce qu'il y a un deuxième étage. Mais n'empêche qu'on loge toujours le même nombre de personnes. D'accord? Donc c'est pas, ça sert à rien, mais allez, si on peut le faire, faisons-le, soyons fous, on est en maths, on rêve. Donc on fait un deuxième étage. Alors la question c'est, ah, mais qu'est-ce que je mets comme numéro de porte? Parce que là je suis bien embêté quand même. Qu'est-ce que je vais mettre comme numéro de porte? Là j'ai pas pris, j'ai déjà pris tous les nombres entiers. Bigre. Bah, du coup, il faut que j'invente un symbole, un nouveau truc. Un nouveau autre chose là pour dire le numéro de cette porte. Voilà, donc traditionnellement, on met le symbole oméga. Bah voilà, c'est la porte oméga. Ok, bah du coup alors la porte d'après, je suis pas obligé d'inventer un nouveau symbole. Là je peux me dire bah, c'est fastoche, hein, ça c'est oméga plus 1, oméga plus 2, oméga plus 3, ainsi de suite. Ok? Et donc après, si pour rigoler, parce que pourquoi pas je fais un troisième étage. Alors comment je vais appeler comment je vais numéroter la porte ici? Qui a une idée là? Allez, vous pouvez me balancer dans le chat si vous avez une idée. Comment je vais pouvoir appeler. Comment je vais pouvoir numéroter la porte qui est là? Hein, celle-là, là. Qu'est-ce que vous mettriez dessus comme symbole? Bravo, Eragonkin 2020. Donc, effectivement, ben, voilà, si en fait, hein, quelque part, oméga, ça représente ben, l'ensemble de tout le nombre qui était avant, presque, vous voyez, c'est le nombre d'après. Ben. Donc là, quelque part, j'en avais oméga des nombres. Enfin, donc, hop, là, il y en a aussi oméga. Oméga plus oméga, ben voilà. Là, je vais mettre, hop, oméga plus oméga. Vous voyez? 2 oméga. Puis après, du coup, 2 oméga plus 1, 2 oméga plus 2, 2 oméga plus 3, etc., etc. OK? Et donc, si je refais un autre étage, la première porte, ça sera 3 oméga, un quatrième étage, enfin, voilà, un quatrième étage, puis ainsi de suite. Hein. Comme ça, je peux ajouter une infinité d'étages, comme ça, à mon hôtel de Hilbert. Alors, imaginons que je sois complètement fou furieux. Donc, je fais comme ça une infinité
l'étage d'hôtel de Hilbert. Donc toutes mes portes sont bien numérotées à hein, chaque fois. Sur l'étage 27 000, ben, il y a 26 999 oméga, plus 1, plus 2, plus 3, etc. Et parce que je m'amuse bien à faire des hôtels de Hilbert, et tiens, j'en fais un deuxième après, là. Donc le premier a une infinité d'étages, hein, d'accord? Donc là, je ne peux plus rajouter des étages, parce qu'il y a une infinité d'étages. Et je me dis, tiens, alors, j'en fais un deuxième. Allez, à côté. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre là comme numéro sur cette porte? Allez, on réfléchit. Bon, alors, il y en a qui trichent, ils ont déjà vu la conf ou quoi là? Bon. Alors, effectivement, bah, en fait, vous voyez, j'ai 3 oméga, 4 oméga, 5 oméga, 6 oméga, 7 oméga, 8 oméga qui sont pris comme ça, bah, jusqu'à l'infini, c'est oméga fois oméga, en fait, hein, c'est ça l'idée. Donc là, je vais mettre oméga au carré. Et donc après, oméga au carré plus 1, oméga carré plus 2, ainsi de suite, oméga carré plus 3, etc., etc., etc. Alors, astuce, donc voilà, donc ces numéros, ce qu'on appelle ça, c'est ce qu'on appelle des nombres ordinaux. Mais alors, donc pour en revenir à la définition mathématique de ces choses-là, on va revoir un petit peu la définition mathématique des nombres qu'on utilise jusqu'à présent. Parce que je dis, avec les règles de Peano, c'est quelque chose qui vérifie toutes les règles qu'on a vues avant. Mais comment on trouve un ensemble qui vérifie toutes ces règles hein, en mathématiques? Donc l'astuce, c'est que pour les matheux, 0, c'est l'ensemble vide. D'accord? Donc c'est une boîte qui ne contient rien, on appelle ça 0. Ok? Voilà, c'est ça la définition du nombre 0. Hein, c'est facile, pour les matheux, c'est juste l'ensemble vide. Alors qu'est-ce que c'est que le chiffre 1? Eh bien en fait, c'est une boîte qui contient 0. Donc vous voyez, c'est une boîte qui contient une boîte qui est vide. Du coup, c'est plus une boîte vide, c'est plus 0. Vous voyez, c'est une boîte qui contient une boîte qui est vide. D'accord? Donc 1, c'est ça. Ok? C'est ça la définition standard de 1. Et puis en fait, 2, bah, c'est l'ensemble qui contient 0 et 1. Donc je fais une boîte qui contient une boîte vide et une boîte qui contient une boîte vide. Ouais, donc une boîte qui contient tout ça. Ok? Et donc on définit comme ça les nombres entiers. À chaque fois, hein, on a des règles qui nous permettent de construire ces ensembles, en disant qu'à chaque fois un nombre, bah, en fait, c'est l'ensemble de tous les nombres qui sont avant. Donc 3, bah, c'est l'ensemble, la définition. Le nombre 3, c'est l'ensemble qui contient 0, 1 et 2. Ok? Donc qui possède bien 3 éléments, vous voyez. Donc ça, c'est la définition un peu bizarre des nombres entiers hein, pour les mathématiciens. 4, et bah, du coup, c'est l'ensemble qui contient 0, 1, 2 et 3, et ainsi de suite. 5, c'est cet ensemble-là. Vous voyez, ça devient rigolo à écrire avec des petites accolades. Ça c'est voilà, c'est bien. C'est quel nombre ça hein? Alors, est-ce que quelqu'un voit une astuce pour voir quel est ce nombre là? Alors bon, je spoil un peu l'idée, mais c'est non, je spoil pas. Allez, est-ce que quelqu'un voit qu'est-ce que c'est que ce nombre? Alors c'est peut-être sur YouTube, c'est dur à voir. Hein. Mais en fait, faut compter les accolades de ce côté-là pour voir, vous voyez. Donc s'il y en a une, là c'est juste l'ensemble 8, c'est 0. S'il y en a deux, c'est 1. Donc là, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Donc c'est le nombre 11. Ok? Donc vous voyez pourquoi on n'écrit pas les nombres comme ça, parce que ça deviendrait vite un petit peu pénible à gérer. Et donc les nombres entiers sont définis comme ça, hein, pour les matheux, il n'y a pas de problème. Le successeur donc d'un nombre, ce qu'on a vu tout à l'heure dans les règles de Peano, il dit voilà, pour tout nombre entier, il faut un successeur. Eh bien, quel est le successeur du nombre x, donc qui est un ensemble, hein, puisque on est en théorie des ensembles, eh bien, c'est l'ensemble x qui est déjà un ensemble, donc de tous les nombres plus petits que x, auquel je rajoute, ça veut dire union, hein, où je fais la réunion entre cet ensemble-là de nombres et l'ensemble qui contient x. Autrement dit, hein, quand j'avais 0, 1, 2, bah, je l'appelais ça 3, je rajoute 3 dedans. Et hop, j'obtiens le nombre que j'appelle 4, le successeur, quoi. À chaque fois, vous voyez, une fois que j'ai un nombre, hein, c'est assez bizarre cette construction, un nombre étant un ensemble, je le considère du coup non plus comme un ensemble, mais comme un nombre, et que je rajoute, je réunis les deux ensembles avec juste lui et ce que j'avais avant, et j'obtiens le nombre d'après, d'accord, qui est un ensemble, etc. Donc c'est très abstrait, hein, j'en suis bien conscient, mais c'est ça la définition classique des nombres. Okay? Donc si vous avez compris, c'est sur les... Voilà, c'est toujours comme ça, hein. 0, 0, 1, c'est 2, 0, 1, 2, c'est 3, 0, 1, 2, 3, c'est 4, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok? Et donc, n, c'est l'ensemble, le plus petit ensemble qui contient 0, vous savez, et qui est stable par successeur. Donc, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, à chaque fois, 6, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hein. 7, c'est l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, donc, c'est défini comme ça les uns au fur et à mesure, hein, en fonction des autres. Ok? Donc, voilà. Et si j'y réfléchis bien. Maintenant, si je prends deux éléments là-dedans, dans mes entiers, qu'est-ce que ça veut dire que A est plus petit que B? Que 4 est plus petit que 6, par exemple. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que 4, c'est un élément de l'ensemble 6. Hein, regardez. 4, par exemple, c'est l'ensemble 0, 1, 2, 3.
Donc tous ceux qui sont là, ils sont plus petits que 4. 0 plus petit que 4, 1 plus petit que 4, 2 plus petit que 4 et 3 plus petit que 4. Ok? Donc comme 6, par exemple, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, bah, 4 est plus petit que 6, parce qu'il est dedans. Donc on dit que A est plus petit que B lorsque A, c'est un élément de l'ensemble B. Vous voyez? C'est un peu bizarre, hein, parce que les nombres, je les vois soit comme des nombres, soit comme des ensembles de nombres. Hein? Pour un mathématicien, un nombre, c'est l'ensemble des nombres qui sont avant. D'accord? C'est vraiment ça qui est un peu dur à percevoir. Et donc, il n'y a pas de souci, voilà. Un nombre qui est plus petit, bah, ça veut dire qu'il est dedans. Ok? J'espère que ça va. Parce que maintenant, c'est là où, hop, j'invente un nouveau nombre, oméga, et bah, c'est l'ensemble de tous les nombres entiers. Ah, celui-là, je ne l'avais pas. Jusqu'à présent, chaque nombre était l'ensemble de ceux qui étaient avant. Mais pourquoi pas faire ça? Allez, pourquoi pas faire ça pour rigoler, pour cet ensemble de nombres-là, une fois qu'il est construit n. Eh bah, bien, oméga, je dis, voilà, tiens, c'est un nouveau nombre. L'ensemble de tous les nombres entiers. Okay, bah, si on en réfléchit bien, du coup, oméga, c'est un nombre qui est plus grand que tous les nombres entiers. Alors, là, c'est là qu'on commence à sortir des nombres habituels, hein, nombres entiers. Là, c'est le premier nombre qu'on appelle un nombre ordinal, d'accord? C'est la théorie des nombres ordinaux, c'est ce qui permet de définir un nombre comme ça, d'accord? Mais pourquoi pas? Vous voyez, c'est... Voilà, j'appelle... C'est pas plus compliqué que ce que j'ai fait avant. 4, je vous rappelle, c'était l'ensemble 0, 1, 2, 3. Donc, dès que je prenais un ensemble de nombres, je dis, tiens, c'est ça le nombre d'après. Et bien là, je prends l'ensemble de tous les nombres entiers, je dis, tiens, c'est ça mon nombre, hop, oméga. Ok? Et donc, petite question. Donc, déjà, oméga, il est le successeur d'aucun nombre. Parce que tous les nombres sont plus petits, il n'y en a pas. Le successeur, c'est jamais oméga. D'accord? De nouveau, il y avait 0, c'était le successeur de personne. Bah, du coup, il y a un nouveau nombre, là, qui est le successeur de personne. Ok? Oméga. Mais par contre, alors est-ce que vous voyez quel est le successeur d'oméga? Je vais mettre le pointeur là. Hop, ça va s'afficher. Donc voilà, c'est un petit exercice. Le successeur d'oméga, donc je vais l'appeler oméga plus 1, mais alors qu'est-ce que c'est? Comment je peux le définir? Allez, j'attends dans le chat là. Comment je vais pouvoir dire qu'est-ce que c'est que le successeur d'oméga? Alors, le successeur d'oméga, c'est pas oméga, sinon je m'arrête. Vous voyez, hein, c'est... Comment je peux... Qu'est-ce qu'on prend comme ensemble? Vous voyez, c'est embêtant. Qu'est-ce que je peux faire pour faire le nombre d'après oméga? J'attends les solutions dans le chat. Hein. C'est dur à taper oméga, hein. Faut taper en lettres. Alors, le successeur d'oméga, oui, c'est ça, mais c'est quoi? S d'oméga. D'accord, Sophie? Donc, hop, il y en a un qui triche, là, il l'a regardé. Alors, c'est marrant, hein, parce que j'ai déjà testé un petit peu à des élèves, des étudiants, on leur a posé la question, ils sont tous en train d'imaginer des trucs incroyables. Mais en fait, la réponse est marquée au-dessus. Il n'y a aucune raison de changer cette définition-là. Donc, ce que j'appelle oméga plus 1, bah, ça va simplement oméga union l'ensemble qui contient oméga. D'accord? Donc, c'est tous les nombres entiers, et hop, virgule oméga, clac, c'est cet ensemble-là, oméga plus 1. D'accord? Je change pas ma règle en fait, hein. Il n'y a aucune raison quoi. J'ai juste. Ok, effectivement, là j'ai fait un saut quand j'ai pris tout d'un coup, d'habitude je prenais un nombre fini de points, un nombre fini d'entiers, j'en faisais un suivant. Là je prends tous les entiers, clac. Mais après je recommence, je fais mon astuce. C'est comme quand je change d'étage, vous voyez, un petit saut, mais après il n'y a pas de difficulté quoi. Plus 1, plus 2, plus 3, je continue comme ça. Il n'y a pas de problème. Ok, donc voilà la définition de oméga. Alors, juste pour essayer un peu de se mettre le cerveau en vrac. On va essayer de voir comment on peut faire des ordinaux de plus en plus grands. Donc, dans ma liste des nombres, vous savez que voilà, 0 est plus petit que 57, qui est plus petit que 10 puissance 100, hein, ce qu'on appelle un Google, qui est plus petit que 10 puissance 100, c'est un Googleplex, qui est plus petit que le nombre de Graham. Donc là, c'est un petit clin d'œil à ceux qui ont vu ma conférence de l'année dernière. Donc ça, c'est un nombre vraiment gigantesque dont j'ai parlé dans ma conf. Mais tout ça, ça reste plus petit que oméga. D'accord? Et puis oméga, bah, il est plus petit que oméga plus 57, par exemple. Il est plus petit qu'oméga plus 1000, oméga, vous voyez, je peux recommencer avec tous les entiers, toujours. C'est toujours plus, de plus en plus petit, de plus en plus grand. Puis par contre, c'est plus petit que 2 oméga. J'ai monté encore dans mon étage, dans ma tour, et 2 oméga, bah, c'est plus petit que 2 oméga plus 11, et puis c'est plus petit que 3 oméga, plus petit que 10 oméga, plus petit que oméga fois oméga, d'accord. On l'a déjà vu tout ça, ça devient oméga au carré. Et puis oméga au carré, c'est plus petit qu'oméga au carré plus 2 oméga plus 7, plus petit que 3 oméga carré plus 3, vous voyez, parce que ce qui compte, c'est le nombre de oméga carré, là. C'est plus important que le nombre de oméga, à chaque fois. Hein, puisque je vous rappelle qu'un oméga, c'est un étage. Un oméga carré, c'est un building avec une infinité d'étages. Donc là, il y a 3 buildings avec une infinité d'étages, c'est bien plus que si je mettais un, vous voyez. Hop,
Et puis tout ça, c'est plus petit que oméga au cube plus quelque chose. D'accord? Donc là, on a du mal à voir. C'est-à-dire que j'ai fait une infinité d'immeubles avec une infinité d'étages là, pour arriver à oméga au cube. Donc ça devient vraiment compliqué à imaginer. Hein. Là, on va sortir un peu de l'hôtel de Hilbert, ça devient dur là. Mais c'est plus petit que 2 oméga au cube plus quelque chose. Vous voyez, c'est plus petit que oméga puissance 5, c'est plus petit que oméga puissance 1000, c'est plus petit que oméga puissance oméga. Ah, ah, ah. Ah oui, alors là, on commence à planer à 15 000, vous voyez, parce que, après tout, pourquoi ne pas s'autoriser oméga puissance oméga? Hein? Soyons fous, quoi, pourquoi pas? Mais du coup, alors, c'est plus petit que oméga puissance oméga plus oméga puissance 100 plus 1, plus 2, plus 3, vous voyez, on peut continuer la numération comme ça tant qu'on veut, c'est plus petit que 3 oméga puissance oméga. Mais du coup, si je prends, ou 100 oméga puissance oméga. Mais du coup, si je prends oméga puissance oméga, ben ça va faire oméga puissance oméga plus 1. Vous voyez? Je prends une infinité d'oméga puissance oméga, ben ça fait juste ça. Et puis alors, je peux continuer comme ça. Je peux en rajouter tant que je veux. Vous voyez bien, je peux être oméga puissance 2 oméga, et ainsi de suite. Hein, oméga puissance 3 oméga plus 5, oméga puissance 100 oméga, tout ça. À chaque fois, en fait, que j'augmente, ça augmente. Oméga puissance oméga 2, pourquoi pas? Oméga puissance oméga 3, pourquoi pas? Et même oméga puissance oméga. Enfin, puis on peut continuer comme ça, ouais, d'accord? Donc on peut constituer comme ça plein, plein, plein de nombres ordinaux. Et donc, la définition est la suivante. Comment, voilà, la vraie définition mathématique, maintenant, une fois qu'on a créé oméga, oméga, c'est, je vous ai donné la définition, c'est si x et y sont des ordinaux, alors on peut les ajouter. X plus y, ça devient un ordinal. D'accord? Et si x est un ordinal, oméga puissance x est un ordinal. Et en fait, eh bien, c'est l'ensemble de tous les nombres que je peux faire en appliquant ces règles autant que je veux. C'est ça l'ensemble des ordinaux. Alors si je veux être puriste, de première espèce, ou je sais plus comment on dit, de premier, enfin bref, de premier niveau, je sais pas quoi, on peut faire pire. Mais nous, on va s'arrêter là. Ça nous suffira largement déjà, et c'est déjà bien assez compliqué comme ça. Donc, vous voyez, on va juste, hein, un nombre ordinal, bah, c'est en fait quelque chose qui s'écrit oméga puissance un autre nombre ordinal, plus oméga puissance un nombre ordinal, plus un oméga, voilà, des trucs comme ça, vous voyez. Donc il peut y avoir que des entiers, mais il peut y avoir des oméga puissance des entiers, ou des oméga puissance oméga des entiers, et ainsi de suite. Et puis on peut ajouter tout ça dans les puissances, dans tout ça, bref. Donc vous voyez, vous avez deux opérations, l'addition et oméga puissance quelque chose. Et c'est tout ce que vous pouvez obtenir en faisant ces deux opérations-là. Ok, donc vous voyez, tous ceux qui sont là, on peut les ajouter, ça fait des, hein, et puis oméga puissance e, ça fait d'autres ordinaux. Ok, voilà, je sais pas si je vous ai bien cassé la tête. Hop. Alors, oméga, il est plus grand que... Bah, l'infini, ça n'existe pas comme nombre, si tu veux. Tu vois, Lola, j'ai bien des nombres, j'ai un, c'est un milliard, des Googleplex, j'ai des milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards, mais j'ai pas un nombre qui s'appelle l'infini, en fait. Sauf si c'est oméga que tu considères comme ça, mais... Voilà, tu vois, on peut considérer qu'oméga, quelque part, c'est l'infini. Hop, et après, je fais l'infini plus 1, l'infini plus 2, l'infini plus 3, mais... Hop. Donc voilà, oméga, c'est le plus petit nombre infini, comme dit Anne Parot, c'est très bien. C'est bizarre, hein? C'est-à-dire qu'on continue à compter après l'infini, en fait. C'est ça l'idée. Hein? C'est que j'ai déjà une infinité de champs, mais je continue à compter, à numéroter des trucs, alors que j'ai déjà pris jusqu'à l'infini. Bah du coup, je rajoute le symbole oméga. Mais ce qui est fou, c'est qu'avec juste un symbole oméga, je peux continuer comme ça jusqu'à alors plein, 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 plein de fois. Vous voyez, je peux grossir de façon complètement délirante et je peux aller plein, plein de nouveaux nombres juste avec un symbole de plus, ce petit oméga. Ok? Donc très bien. Alors, un petit exercice pour voir si vous avez suivi. Alors, dans le chat, là, Tom, tu laisses répondre les autres un peu. Lequel est le plus grand? Vous me dites, c'est oméga 5 plus 3 oméga ou 500 oméga cube? Pour voir ce qu'on suivit. Hein? Il faut me dire c'est plus petit ou plus grand. Le premier couple en haut. Hein. Hop, hop. Vous mettez le signe plus petit ou le signe plus grand. Vous pouvez taper comme ça. Hein. Plus petit ou plus grand. Alors, j'attends qu'il y en ait plusieurs qui donnent leur réponse. Laetitia. Blanche. Bravo, tout le monde a juste, fantastique. Donc, hein, vous avez bien compris, le 500 ne réussit pas à lutter contre la puissance ici. Hein. D'accord? Oméga puissance 5, on est dans la cinquième dimension, hein, on est bien bien plus grand que ça. Alors, maintenant celui-là, là. Alors, plus grand, le deuxième, là. Plus grand ou plus petit? Alors, allons-y. Ah, là, il y a un conflit. Tout le monde n'est pas d'accord, fantastique. Ah! Voilà qui est bien.
Ah, alors il y a plein de plus petits. Ah, la blanche, t'es plus en majorité. Ah, tu changes d'avis aussi, très bien. Ok, oui, alors donc l'astuce, c'est qu'effectivement, je suis un traître. C'est que si on regarde celui-là et celui-là, on se dit, ah bah celui-là, il est quand même bien plus grand que celui-là. Oui, mais il y a celui-là derrière qui est quand même bien plus grand que celui-là, puisque le 10 oméga ici est bien plus grand que le 3 oméga. Et donc, c'est bien celui-là le plus grand. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que je pourrais afficher les réponses au fur et à mesure. Alors celui-là maintenant. Allez, on se concentre. Lequel est le plus grand? Ah, là, il y a des conflits encore. Tout le monde n'est pas d'accord. Donc, ouais, c'est bon, vous avez trouvé. La plupart ont quand même répondu là, correctement. Oui, alors donc là, il faut regarder cette fois. Hein, le 8, on s'en moque. Enfin, on s'en moque pas, mais en l'occurrence. Mais bon, enfin, ce qui compte, là, c'est la plus grande puissance possible. Et donc là, on a du oméga puissance 5 oméga 2, et là du oméga puissance oméga 3. Et donc, du coup, oméga 3 étant bien plus grand que 5 oméga 2, même que 5 oméga 2 plus oméga, bah, du coup, oméga puissance oméga 3, c'est bien plus grand que oméga puissance ce truc-là. Et donc, oméga puissance oméga 3, c'est bien plus grand que ça. Et donc voilà. Ok, ça va, c'est pas trop largué avec mes nombres ordinaux là. C'est assez rigolo hein, de jouer avec les nombres ordinaux, en fait. C'est assez marrant, quoi. C'est comme un nouveau nombre, une nouvelle puissance là qu'on ne peut pas battre, en fait, puisque c'est comme l'infini, donc il n'y a aucun moyen de la rattraper avec d'autres nombres, en fait. Hein. Bon, dès qu'il y a un oméga cube, ça tue tous les oméga 2, etc., quoi. Ok. Bon, alors, maintenant, essayons de réfléchir à si je prends oméga plus 50 et que je veux un nombre plus petit qu'oméga plus 50. Allez-y, donnez-moi un numéro, un nombre plus petit qu'oméga plus 50. Donc normalement ce serait plus fluide hein, si je pouvais vous parler directement, mais bon. Alors, ok, alors 0, 1, non mais les gars, c'est ouais, elle est pas tellement plus petite qu'oméga plus 50, et si on descend tranquillement. Vous avez raison, hein, mais. Est-ce que vous pouvez me donner un nombre plus petit? Voilà, par exemple, oméga plus 49 ou oméga plus 22. D'accord? On descend petit à petit comme ça. Et puis, j'y arrive à oméga. Ouais, je descends, oméga plus 22, oméga plus 1, j'arrive à oméga. Ah, donnez-moi un nombre plus petit qu'oméga, mais pas tellement plus petit qu'oméga. Alors, je vous écoute. J'ai 64, 1 milliard ou 10 000 milliards, j'ai pas la flemme de compter les zéros. Hop. Eh bien, il n'y a pas de prédécesseur. Hein. Je vous rappelle qu'oméga n'est pas le successeur d'un nombre. Oméga moins 1, ça n'existe pas. Okay. On n'a pas de moins, attention, hein. On n'a pas de moins dans les nombres ordinaux. Hein. On a plus, on n'a pas moins. Hein. C'est subtil. Hein. D'accord? Parce que moins 1 n'est pas défini pour tout le monde. Okay. Donc c'est ça l'astuce. Hein. Donc ça n'existe pas. Donc comment je fais un nombre plus petit qu'oméga? Bah c'est un nombre entier. Ah, c'est bien, tous les nombres plus petits qu'oméga, c'est les nombres entiers. Donc 42 ou 10 puissance 1000, par exemple, ce que vous voulez, mais en fait c'est un entier. D'accord? C'est pas l'infini ou c'est pas ça, c'est voilà, un nombre entier. Celui que vous voulez. Ok? Mais du coup, si je prends. Maintenant, essayons de voir un nombre plus petit qu'oméga au carré, tiens, pour voir. Allez, je vous écoute. Comment sont les nombres plus petits qu'oméga 2? Comment ils s'écrivent? Je veux la forme générale des nombres plus petits qu'oméga 2. Alors 16, c'est un nombre plus petit qu'oméga 2, mais il y en a des plus grands quand même. Voilà, bravo Eragon. Hop, hop. Exactement. Bravo Sébastien aussi. Hop. Blanche, c'est bien, mais c'est moins générique. Bah, c'est en fait un multiple d'oméga plus un nombre entier. Vous voyez? Hein, c'est, voilà, je vais donner des exemples, hein, 42 oméga plus 57 ou 100 000 oméga plus 4, mais en fait, c'est n'importe quel nombre qui s'écrit A oméga plus B. Où A et B sont des entiers. D'accord? Je peux plus avoir d'oméga 2, oui, je suis obligé de descendre les puissances d'oméga. Alors, un nombre plus petit que 50 oméga 2 pour voir.
Comment sont les nombres plus petits que 50 oméga 2? Est-ce que vous pouvez me donner la formule là? Exactement. Bah c'est de la forme un nombre multiple de oméga 2, zut, plus un multiple d'oméga plus un nombre entier, ou juste le multiple de oméga 2, c'est plus petit que 49. Oh là là, ça me saoule ce truc qui apparaît, ça je sais pas l'enlever, c'est pénible. Donc voilà, c'est un nombre comme ça, d'accord? Est-ce que tout le monde comprend bien? 49 oméga 2 plus 100 000 oméga plus 34, par exemple, voilà, c'est des. Mais on peut mettre 48 oméga 2, 32 oméga 2, comme on veut. Ok? Donc vous avez bien compris, c'est bien. Alors, et si on trouvait maintenant une suite comme ça, de tiens, je pars de oméga puissance oméga, puis j'ai trouvé des ordinaux de plus en plus petits. Alors, un nombre plus petit qu'oméga puissance oméga, bah, ça va être par exemple 24 oméga puissance 100 plus 500. Et puis là, je vais diminuer le 500 par exemple, plus 421, puis au bout d'un moment, je vais enlever les puis oméga puissance 100, etc. Vous voyez, voilà, au bout d'un moment, je vais arriver à oméga puissance 100. Vous voyez, une fois que j'aurai enlevé tout ça, je passe à 23 oméga 100 plus quelque chose. Et ainsi de suite, moi je vais arriver à 2 oméga 100 plus 10 puissance 57, ou enfin plus un entier. À la fin, je serai à 2 oméga 100, je vais être obligé d'avoir oméga 100 plus quelque chose. Quand j'aurai enlevé tous les entiers, je vais arriver à oméga 100. Donc là, il faudra que je descende et je mette quelque chose oméga 99, vous voyez, plus d'autres choses, hein, des puissances d'oméga plus petites. Et ainsi de suite, je vais les descendre. Là, un jour, il n'y aura plus de facteur devant l'oméga 99, il faudra que je descende et que je passe à une puissance d'oméga plus petite. Donc par exemple, oméga puissance 40, et ainsi de suite. En fait, hein, l'idée, c'est que petit à petit, je vais être obligé d'arriver à des puissances d'oméga de plus en plus petites, jusqu'à temps que j'arrive à la fin à des nombres comme on les connaît, comme oméga, un nombre entier. Et une fois que je suis sur un nombre entier, vous devez voir que ben, si je prends une suite strictement décroissante, donc des entiers de plus en plus petits, strictement plus petits, même si j'essaye de réduire, de pas aller trop vite, au bout d'un moment, je vais arriver à zéro. Ok? Et donc, ce que j'essaye de vous démontrer par cet exemple-là, parce que c'est assez intuitif et que j'ai pas envie de faire des calculs trop pourris, mais c'est que tout de suite, strictement décroissante de nombres ordinaux, atteint le nombre 0 après un nombre fini d'étapes. D'accord? Même si on est très 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 loin dans les nombres ordinaux, si je descends, je descends de 1 en 1, mais alors il y a des moments où on ne peut plus descendre de 1 en 1. Vous voyez, quand c'est oméga puissance 100, je ne peux pas enlever 1. Je suis obligé de passer à un multiple d'oméga 99, un nombre entier fois oméga puissance 99, plus d'autres choses. Mais vous voyez, il y a des fois où on est obligé de faire des sauts, quand on saute d'étage, quoi. Hein, vous comprenez bien, vous voyez, quand j'étais dans mon hôtel à deux étages, par exemple, quand je suis là, voilà, oméga plus quelque chose, bah, si je veux descendre des portes, au pire, si je veux pas sauter l'étage, bah, j'arrive à oméga, et quand je suis à oméga, je veux descendre, je veux aller plus petit, je suis obligé de descendre quelque part. Je tombe un nombre entier, même aussi grand que je veux, je tombe un nombre entier. Donc au bout d'un nombre fini de fois, je vais arriver sur zéro. Donc même si on compte bien au-delà de l'infini, quand j'ai mon nombre là qui est bien au-delà de l'infini, si je descends à chaque fois, je fais un bond qui descend strictement, qui n'est pas deux fois le même. À chaque fois, je force à descendre, eh ben, j'arrive à zéro au bout d'un nombre fini d'étapes. Donc ça, c'est essentiel de bien comprendre parce que c'est l'argument essentiel qui dit qu'on va pouvoir tuer l'hydre. Oui, parce qu'il y a cette histoire d'hydre quand même qu'on a complètement oublié depuis le temps. Ok, donc voilà. J'espère que vous comprenez bien cette histoire-là. C'est que quel que soit le nombre ordinal, si je prends une suite décroissante, alors j'arrive à zéro en un nombre fini de coups, qui peut être gigantesque, mais fini. Ok. Alors, donc maintenant, allons-y. On s'est tapé toute la théorie. On peut faire la preuve maintenant de que Hercule peut tuer l'hydre. Alors, allons-y. Donc, pour ce faire, on va associer à n'importe quel hydre une puissance. Alors, comment on associe une puissance d'une hydre? Eh bien, on numérote déjà, on met la puissance 1 à toutes les têtes, c'est-à-dire les sommets les plus éloignés, qui sont les plus éloignés de la racine de l'arbre. Donc voilà, hop, hop, ça c'est les têtes, je leur donne la puissance 1. Et ensuite, pour chaque nœud, ici, 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 je vais compter la somme de toutes les puissances de tous les nœuds qui sont raccrochés, et je vais donner comme puissance ici, oméga puissance cette somme. Donc là, il y en a 3, 1, 2, 3, je me dis, bah, la puissance de cette tête, c'est oméga 3. Là, il y en a deux. La puissance de cette tête, enfin de ce nœud-là, c'est oméga 2. Alors, ici, maintenant, il faut regarder. Qu'est-ce que je vais marquer comme nombre ici? Eh bien, je vais dire, j'ai 1 et j'ai oméga 3. La somme des deux, c'est oméga 3 plus 1. Ici, je mets oméga puissance oméga 3 plus 1. OK? Et donc là, si je fais le bilan, voir si j'ai bien compris, j'ai 1
oméga puissance oméga 3 plus 1, oméga 2 et 1. Si j'ajoute tout ça, ça fait oméga puissance oméga 3 plus 1 plus oméga 2 plus 2. Et bien ici, j'obtiens oméga puissance tout ça. Donc oméga puissance oméga 3 plus 1, c'est lui, plus oméga 2, plus le 2 des deux qui sont là. Ok ? Et donc voilà, même si l'hydre est gigantesque, on peut toujours comme ça associer un nombre ordinal, d'accord, dans la racine de mon hydre, dans son corps, là, je peux toujours trouver un nombre ordinal qui décrit ce que j'appelle la puissance de l'hydre. On va voir pourquoi on appelle ça comme ça. Ok, est-ce que tout le monde comprend cette affaire-là? Vous me dites s'il y a une question, si vous ne comprenez pas comment j'ai fait. Hein. Vous voyez, c'est... Ouais, alors il y en a qui devinent la suite, je les félicite, mais hein, c'est voilà. L'idée, c'est vraiment ça, c'est que du coup, avec les nombres entiers, j'aurais été bien embêté, parce que ça aurait pu se compenser s'il y avait trop de têtes d'un côté et tout, mais avec les nombres ordinaux, là, je suis tranquille, on va voir que voilà, je peux associer à chaque hydre un nombre ordinal que j'appelle sa puissance. Ok? Donc, qu'est-ce qu'advient la puissance quand je coupe une tête? Hein, c'est ça la question. Vous voyez, donc j'ai mon hydre là. Je vais couper la tête je vais couper cette tête là que je veux dire et je vais regarder qu'est-ce que ça devient sa puissance. Donc là, la puissance elle n'a pas changé, qu'est-ce qui va se passer? Donc je coupe la tête, hop, il y a une copie qui arrive. Alors regardez, là où j'avais un nœud à oméga 2, maintenant j'ai deux nœuds qui sont tous les deux à la puissance oméga, parce que ça c'est 1, ça c'est 1, donc là c'est oméga, là c'est oméga, et du coup le oméga 2 ici est devenu 2 oméga. Ok? Donc vous voyez, ça a diminué. Bon, peut-être un coup de bol. Si je continue un petit peu, hop, j'enlève celui-là. Bah du coup, le 2 oméga là, plus 2 était venu à oméga plus 5. Voyez, je continue pour rigoler, j'enlève celle-là, poum. L'oméga plus 5 est devenu 9. Donc c'est vachement plus petit. Ok, j'enlève toutes mes petites têtes là, boum. Ah bah du coup, le plus 9 est parti. J'obtiens oméga puissance oméga oméga cube plus 1. Ça c'est avant que je fasse la copie. Hein. Hop, et quand les têtes vont pousser, bim, j'obtiens oméga puissance 15 oméga puissance oméga cube. Alors regardez bien, c'est pas évident. Hein, oméga puissance oméga cube plus 1, c'est bien plus grand que celui d'après, hein, je le remets, que oméga puissance 15 oméga puissance oméga cube. Pourquoi? Hein, c'est pas évident, parce que attends, il y en a 15 oméga oméga cube. Mais l'autre, c'était oméga puissance oméga cube plus 1. Donc la puissance était plus grande. Hein, d'accord? N'importe quoi, enfin oméga puissance oméga cube plus 1, c'est plus grand que n'importe quel nombre fois oméga puissance oméga cube seulement. Donc là, ça passe à 15 oméga puissance oméga cube, donc c'est bien un nombre plus petit. Et donc l'idée, ben, voilà, vous avez compris, c'est d'essayer de démontrer maintenant que la puissance diminue tout le temps. Donc je prends un nœud au hasard, d'accord, hein, je vais couper une tête, donc voilà, j'ai pris le cas général pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que vraiment la puissance diminue à chaque fois. Parce que là, on dit, bah, ça se voit bien sur l'exemple, mais il faut essayer de faire une preuve. Donc imaginons que j'ai un nœud là-haut qui se termine par des têtes, j'ai mis K têtes ici, là. Donc voilà, K est un entier quelconque, hein, donc ça arrive toujours, enfin voilà, quand je prends une tête, elle est forcément reliée à un nœud, je compte le nombre de têtes qui sont reliées à ce nœud, là il y en a K plus 1, ok, très bien, voilà, et un nœud, et lui il est relié donc à un autre nœud, forcément, peut-être c'est le corps ou pas, mais enfin bon, voilà, et celui-là il est peut-être relié à d'autres nœuds qui ont une certaine puissance, P1, P2, P3, Pn, et donc lui, sa puissance c'est oméga puissance le oméga K plus 1 qui est là, plus bah, toutes les autres puissances de tous les autres nœuds qui peuvent être accrochés. Peut-être, il peut ne pas y en avoir, hein, mais en tout cas, voilà, c'est un truc de cette forme-là. Et je vais couper cette tête-là, et je vais regarder, est-ce que ça diminue forcément ici? Si ça diminue ici, vous comprendrez que ça diminue forcément plus bas, hein, puisqu'à chaque fois, c'est oméga puissance la somme de ce qu'il y a. Donc si la somme diminue, en bas, ça diminue aussi. Hein. D'accord? Donc j'ai pas besoin de faire jusqu'au bout. Okay, c'est... Alors, allons-y, on coupe donc cette tête-là. Hop. Donc qu'est-ce que j'ai à la place de ça? Bah, le oméga puissance k plus 1, il n'y a plus, parce que lui, il est parti. Il y a des oméga puissance k, là, que j'ai recopié, vous voyez, parce qu'il n'y en avait plus que k à chaque fois. Poum, 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 mais il y en a plein, d'accord, hein. Il y en a combien? Bah, il y en a un certain nombre, qui est le nombre de têtes que j'ai déjà coupées avant, que je connais pas. Donc imaginez que ça, je l'ai coupé au mième coup, d'accord. Et donc, il faut que je recopie ce qui reste, là, c'est mon truc là avec k branche ici. Je le recopie m fois, je connais pas du tout m. Ça peut être énorme, hein, si j'ai déjà coupé plein de têtes avant. Mais j'arrive à cette puissance-là. Et si on regarde bien, ben, ça, même si M est gigantesque, ça reste plus petit que ça. Vous voyez, un nombre, même énorme, de oméga puissance K sera toujours plus petit qu'oméga puissance K plus 1. Parce que oméga puissance K plus 1, c'est oméga fois oméga puissance K. Vous voyez, donc c'est bien plus grand que M fois oméga puissance K. Et puis les autres n'ont pas changé.
Donc tout ça, ça reste bien plus petit que ça. Et donc la racine ici restera bien plus petite que la racine ici. Et ainsi de suite, ça se propage, même si je suis très très loin dans une île qui a des tonnes et tonnes de nœuds, la puissance diminue tout le temps. Ok? Et donc voilà, bah du coup, maintenant si je prends une hydre n'importe comment, je lui associe une puissance, je trouve un nombre ordinal qui est la puissance de l'hydre. On coupe des têtes au hasard, la puissance diminue forcément. Une suite strictement décroissante de nombres ordinaux, ça finit par arriver à zéro. Et donc au bout d'un moment, la puissance de l'hydre, c'est zéro. Ça veut dire qu'elle n'a plus de tête. Et donc l'hydre meurt après un nombre fini de coupes de têtes, quelle que soit la façon qu'on coupe les têtes. Fantastique, non? Alors, je vous laisse un peu voilà, réfléchir là-dessus. Donc, c'est les nombres ordinaux nous permettent de démontrer comme ça, vous voyez, très facilement, que l'hydre meurt. Ok? Dire, bon, très bien. Et alors? Et alors, l'épilogue. Pourquoi je vous raconte toute cette histoire? Parce que déjà, c'est un sujet qui est rigolo, hein, cette preuve, moi, je trouve en soi très jolie. Mais je voudrais vous faire réfléchir maintenant plus profondément, plus philosophiquement, en fait, sur ce que ça veut dire. Parce que nos amis là, Jeffrey Paris et Laurence Kirby, donc en fait c'est pour ça qu'on appelle cette hydre l'hydre de Kirby, ont démontré en 1982 que le problème de l'hydre que je vous ai expliqué est indécidable dans l'arithmétique de Peano. Alors cette phrase très compliquée, elle veut dire que si je prends juste les règles des nombres entiers que j'ai vus au début, d'accord, et que je veux démontrer que l'hydre meurt avec ces règles-là, ce n'est pas possible. Si on n'utilise pas les nombres ordinaux, si on n'utilise pas la règle qui dit qu'on a le droit de créer oméga, un nombre qui contient tous les nombres entiers, etc., etc., et de faire toute la construction d'après des nombres ordinaux, alors on ne peut pas démontrer que l'hydre meurt. Du coup, est-ce que l'hydre va-t-elle vraiment mourir? C'est un truc qui est... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un vrai problème là, parce que on vient de prouver que l'hydre meurt. C'est-à-dire que si on le fait pour de vrai. Prenez une hydre, vous dessinez là au hasard des têtes, vous coupez au hasard, vous appliquez l'algorithme. Après des milliards de tests, vous avez pris une hydre un peu grande, mais peut-être des centaines de milliards, de milliards, de milliards. Bref, elle va effectivement être réduite à zéro, on vient de le prouver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin des oméga pour définir l'hydre, j'ai pas besoin de définir sa puissance. Je vous dessine une hydre, vous coupez des têtes, vous dupliquez, vous coupez des têtes, vous dupliquez, vous coupez des têtes. Au bout d'un moment, il n'y en a plus. Donc moi, je leur dis, bah, c'est vrai, l'hydre, elle meurt. Mais si on ne peut pas le prouver, s'il n'y a pas de preuve, c'est-à-dire que c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez le problème là, qui se pose là? C'est vraiment un problème subtil, quoi. Jusqu'à présent, je me disais, si c'est une proposition indécidable, ben, on n'a que supposer qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse. Donc, en théorie, on pourrait dire, non, je suppose que l'île ne meurt pas. À ce moment-là, les nombres ordinaux ne peuvent pas exister. C'est une conséquence. Vous voyez, mais on voit bien que c'est complètement, enfin, c'est complètement débile. On ne peut pas se poser, parce qu'en vrai, si on le fait. Donc il y a une espèce de vérité intrinsèque, vous voyez, au fait que l'hydre va vraiment mourir. Parce que j'ai pas eu besoin d'oméga pour définir mon problème d'hydre, j'ai pas eu besoin de sortir des entiers pour définir mon problème. Et donc, ce que je vais vous dire, c'est que c'est pire. Du coup, la vérité est pire que ce que j'imaginais, et je l'ai compris il n'y a pas longtemps. C'est ce que disait Gödel, mais je ne comprenais pas vraiment cette phrase, en fait. C'est que il y a sans doute, en mathématiques, et donc là c'est un exemple assez flagrant, des propositions qui sont vraies, mais qu'on ne peut pas démontrer. Et là, c'est vraiment horrible. C'est-à-dire que déjà, en tant que chercheur en maths, quand on se cogne des problèmes, on ne sait pas si on va pouvoir le démontrer parce qu'on ne sait pas si on a les compétences nécessaires, si on a les connaissances, les prérequis nécessaires pour réussir à venir à bout de ce problème. D'accord? On peut passer des mois et des semaines à chercher sans savoir si on va y arriver. Et c'est justement là où on ne se rend pas compte du bonheur d'être étudiant, parce que quand votre prof vous pose un problème, même très difficile, vous savez qu'il y a une méthode pour trouver. Donc vous allez vous casser la tête dessus, mais vous avez dans votre cours, ce que vous avez vu en classe, les outils qui permettent de résoudre le problème. Parce que le prof n'est pas un sadique. Il ne vous a pas posé des trucs que vous ne pouvez pas faire. Mais alors après, quand vous êtes chercheur, vous posez des vrais problèmes, des fois, vous ne savez pas, c'est bien le problème, si vous pouvez résoudre votre problème. Et là, ce que dit ce théorème et ce que demande cet exemple, c'est qu'il y a des fois, ça peut être vrai, donc vous ne trouverez jamais de contre-exemple, etc., etc. Et pourtant, que ce n'est pas possible de le démontrer sans rajouter des règles supplémentaires, oui, à vos axiomes de base, sans enrichir la théorie de nouvelles idées pour en venir à bout. Donc c'est voilà, donc c'est bien la preuve que les maths, c'est parfois un petit peu difficile. Mais c'est bien pour ça que ça nous éclate, parce que sinon, voilà, c'est bien cette créativité qui nous motive à devenir
à toujours essayer de trouver des trucs. Bon, ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc, voilà, est-ce que vous avez des questions dans le chat auxquelles je pourrais essayer de vous répondre? Donc Anne, oui, l'arithmétique de Peano n'est pas suffisante pour expliquer ce genre de choses-là, mais du coup, même avec les nombres ordinaux, on ne sait pas si c'est suffisant pour démontrer tout ce qu'on pourrait imaginer, quoi. Non, Hercule, il s'est pas pris la tête, mais on comprend pourquoi il a réussi finalement. Ah oui, alors là, je la connais pas. La meilleure stratégie, je la connais pas du tout. J'imagine que c'est en coupant d'abord les têtes vraiment les plus éloignées du corps que ça ira le plus vite, mais j'ai pas de preuve de ça. Enfin, en tout cas, on voit bien couper des têtes qui sont près du corps directement, vu que elles repoussent pas du tout. Ça fait juste augmenter le nombre de copies qu'on va faire après. C'est pas malin. Ça, c'est sûr que, en tout cas, couper des têtes qui sont directement reliées au corps, faut le faire qu'à la fin. Ça c'est sûr, donc j'en déduis que si c'est pas malin de couper celles qui sont le plus près du corps, ça doit être malin de couper celles qui sont le plus loin possible. Mais c'est pas du tout une preuve, mais c'est comme ça que je vois le truc. Merci, merci pour vos commentaires gentils, ça fait plaisir. Hop. Je vois qu'il y a plein de gens, c'est rigolo, hein, il y a plein de gens de ma tante Jean là qui sont là. Hop. Donc voilà, non, pas de petites questions, pas de remarques philosophiques. Ah oui, alors vous allez trouver ça facilement. Tu tapes Hydre de Kirby, c'est le preprint. Alors, j'ai regardé la preuve, elle est compliquée, hein. C'est-à-dire qu'il faut être habitué à la logique, etc. Pour te la faire courte, ils exhibent comment dire, comment c'est la théorie des modèles, tu sais, ils trouvent un autre modèle de l'arithmétique dans lequel l'hydre meurt pas en fait. Hein. Donc voilà, moi j'ai rien compris. Franchement, j'ai essayé de regarder la preuve, je suis pas assez féru de logique pour comprendre quoi que ce soit. Donc, mais j'ai vu un peu l'idée, c'est d'exhiber un nouveau modèle un peu abstrait, un peu étrange de l'arithmétique de Peano dans laquelle l'hydre ne meurt pas. Et donc ça prouve que bah, du coup ça dépend du modèle. Hein. C'est vrai pour le modèle standard de l'arithmétique, mais que c'est pas vrai dans tous les modèles. Et donc ça ne peut pas se démontrer à partir des axiomes. C'est ça l'idée en tout cas, hein. C'est de ce que j'en ai compris, quoi. Hop. Tous les problèmes indécidables impliquent-ils la création de nouvelles théories où certaines ne peuvent pas être résolues tout court? Bah, on passe, de fait, toi, si ils sont décidables, si tu veux les décider, il faut de fait t'inventer une nouvelle théorie. Une fois que tu as dit je décide que ça c'est vrai, bah, hop, tu plonges dans le cadre d'une nouvelle théorie qui n'était pas forcément connue, quoi. Ah, la chaîne, c'est Math Adult. Voilà, donc c'est une chaîne où il y a des cours de maths. C'est tout. Hop, pour ceux que ça intéresse. Tiens, pour ceux qui voudraient préparer la grille interne, s'il y en a dans le lot, qui ne seraient pas au courant, tous les mercredis soirs, je fais des lives de correction des sujets de la grille interne. On a déjà fait celui d'algèbre de l'année dernière, et là on est sur celui de 2014. Et donc tous les mercredis de 9h à minuit, voilà. Hop, on fait ça pour ceux que ça dit. Alors, peut-on montrer qu'une proposition est décidable sans faire la démonstration? Ben, il faut trouver un contre-exemple. Enfin, toi, je veux dire, c'est. Non, c'est très compliqué de montrer qu'un truc est indécidable. Je sais pas si. Un autre exemple, vous voyez, par exemple, la conjecture de Syracuse. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est la conjecture qui dit que quand on prend un nombre et qu'on applique l'algorithme suivant plein plein de fois, alors l'algorithme qui consiste à le diviser par 2 quand il est pair et à le multiplier par 3 et ajouter 1 quand il est impair. Voilà, donc on applique ça à un nombre quelconque, vous voyez, par exemple si on prend, je sais pas moi, 7, ben, 3 fois 7, 21, plus 1, 22, 22 est pair, je divise par 2, 11, je fais fois 3, 33, plus 5, 34, je divise par 2, 17, enfin ainsi de suite, là, je fais cette méthode-là, est-ce que j'arrive toujours à 1 au bout d'un moment? Eh bien, il y a des gens qui se demandent si c'est un problème décidable ou pas, parce que ça fait des dizaines d'années qu'on cherche. Vous voyez, on n'a pas trouvé de preuve, on n'a pas trouvé de contre-exemple, et il y en a qui se disent peut-être qu'on ne peut pas le démontrer avec les axiomes de la théorie qu'on a en fait. Voilà, donc mais on n'a pas prouvé qu'on ne pouvait pas. Hein. C'est très très dur de prouver des problèmes indécidables.
celui que je connaissais avant, entre guillemets, le plus facile à comprendre, c'est l'hypothèse du continu. Donc, je ne vais pas trop vous en parler là parce que c'est compliqué. Mais c'est est-ce qu'il y a un infini intermédiaire entre l'infini de nombres entiers et l'infini de nombres réels? Et bien, ça, des gens ont montré, Cohen a démontré dans les années 60 que c'était un problème indécidable. On pouvait admettre l'un ou l'autre, que c'était pas, les deux étaient cohérents avec les axiomes. Vous voyez? Mais c'est très très dur de prouver qu'on ne peut pas faire quelque chose. D'accord? Hop. Donc voilà. Oui, alors je vais essayer de repasser sur Bibibi, ouais, pour conclure. Voilà, très bien, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je repasse la parole à François. Ok. Ben merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup, Gilles. Ouais, j'avais pas coupé le micro de l'autre côté, le haut-parleur. Bon, ben, je crois que les gens ont bien apprécié, hein, c'est un beau problème. Moi, j'aurais bien voulu avoir cette démonstration d'indécidabilité, mais. Parce que c'est sans doute ce qu'il y a de nettement plus curieux. Voilà, mais sinon, j'irai peut-être chercher la référence. Je ne sais pas si j'y comprendrai quelque chose. Et sinon, voilà, en discutant un peu sur le sujet, on avait envie quand même d'avoir des exemples explicites de choses indécidables. Alors, je ne sais pas si tu... Disons, indécidables dans la théorie des ensembles habituels que tout le monde utilise. Est-ce que tu as des exemples à part... L'hypothèse de Riemann qui est un peu compliquée, l'hypothèse du continu, je veux dire. Non, non, comme je l'ai dit, non, on n'en a pas tant que ça, hein, des trucs simples à expliquer, indécidables. C'est pour ça que ça Non, m'a plu cet Gilles exemple. ne C'est répond qu'on pas. Bon, ben alors, n'en a pas je beaucoup, vais quoi. peut-être clore cette session en remerciant encore Gilles et les gens qui l'ont écouté jusqu'au bout. Et donc, la prochaine session. Ça sera mercredi 10, à partir de 15h cette fois-ci, 15h à 17h, avec six exposés de groupe Matan Jeans. Bonsoir à vous, merci bien d'être là, et je remercie évidemment aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, les universités qui nous hébergent, les gens qui nous aident, et je vous dis à bientôt. Au revoir.